Vous dormez déjà. Hein? Partagez, partagez. Vous dormez déjà. Vous dormez quoi? Vous dormez quoi? Il y a beaucoup de souris ce soir. C'est toi. Coucou Jean. Il y a quoi là-bas? Il y a les rats chez toi. Il y a quoi là-bas? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On va attendre. Partagez, non. Okay. Tout à l'heure, là, je m'a fait bim. Ça a fait bim. Bonsoir, Teresa. Ça a fait bim. Et il y avait 150 personnes tout à l'heure. Pour 10 minutes de live. Partagez, il y a le Japa. Partagez, il y a le Japa. Un Japa. Là, est de taille. Merci beaucoup, Teresa. Merci beaucoup. La classe. Partagez-nous le direct. Je ne suis pas déjà sur cette musique. Vous dormez déjà. Les gens dorment déjà. Ils doivent travailler demain. Je vous ai promis le décryptage tout à l'heure, non? Je vous ai promis le décryptage tout à l'heure. Attendez un peu, je regarde si Malise est connectée. Oh mes gens, partagez. Allô? Ah, c'est Guylaine, tu n'as pas le numéro aussi. Je viens de lancer un petit direct. Hein, donc je... Non, sorcière comment? Donc toi-même... Hein? Hein? Il y a le mensonge là. À un moment,
Donc, je suis en live là. J'ai lancé un petit live. Oui, c'est tout. Donc, à un moment de la vie, mes gens, vous savez, à un moment de la vie, on est fatigué du virtuel. On est fatigué du virtuel. On doit imposer le réel. Vous avez compris? On est que vraiment avec. Je vois que ça ne monte pas. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vois que ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Il est vrai que c'est déjà 23h. Les gens sont sûrement déjà allés au lit. Mais je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir avec ça dans le ventre des. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me prendre, ce n'est pas le congélateur. Mon ventre, ce n'est pas le congélateur. Mon ventre, ce n'est pas le frigo de... Il y a quelqu'un? Ah, mon ventre, ce n'est pas le frigo de Renmer Bio. Oui. Oui, mon ventre, ce n'est pas le frigo ni le congélateur de Renmer Bio. Moi, je n'habite pas dans le frigo. Je ne me couche pas, je ne fais pas. Comme la veuve joyeuse a dit qu'elle va aller faire le lit de Renmer Bio dans son frigo. Elle a dit qu'elle va installer le salon et la chambre de Renmer Bio dans son frigo. Oui, ça lui est dit. Non, mon ventre, ce n'est pas le frigo ni le congélateur. Vous savez, je ne pouvais même pas dormir avec ça dans le ventre. Mais Jean, je vais d'abord rendre hommage. Merci beaucoup, Edith. Je vais d'abord rendre hommage à une dame. Je vais rendre hommage à une dame pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Pas seulement à cause de sa beauté, pas à cause de sa dignité, pas à cause de sa finesse au niveau des mots, au niveau de sa manière de faire comprendre les choses, au niveau de sa manière de faire passer les messages. Je vais rendre hommage à cette dame, grande dame, parce que il y a des exemples sur Facebook que nous devions copier. Quand c'est bien, on copie. Quand c'est bien, on suit. Quand c'est bien, on imite. C'est maman Malise Akamba. Je ne dis pas maman parce qu'elle est plus vieille que moi ou parce que non. C'est parce que elle a, quand on appelle chez nous en Fumban, quand on appelle, tu appelles une personne maman, c'est que c'est la dignité. Tu caractérises sa dignité. Parce qu'on dit que ce sont les vieilles mamans qui ont des grandes dignités. Mais elle est jeune, mais elle a cette dignité. C'est pour ça que moi, je l'appelle maman. Donc, je tenais déjà à lui rendre cet hommage. Parce que on dit quand quelqu'un fait bien, il faut le dire. Parce qu'ici, sur Facebook, on passe le temps à partager. On passe le temps à critiquer. On apprécie difficilement. Les gens sont très, très chiches en... les gens sont très chiches en complément. Mais moi, je m'en fous. Je ne suis pas comme les gens. Et je suis tellement fière de ma vie. Je suis tellement fière de mon parcours que je n'ai pas de place de jalousie. Je n'ai pas de place pour de la haine. Je n'ai pas de place de l'envie. Donc, certaines rencontres sur Facebook, comme celle de Marlise Akamba, c'est de très, très belles rencontres. C'est des rencontres enrichissantes. Tout à l'heure, j'étais chez Carole Abena. Je ne veux même pas dire qu'elle est connectée. Elle ne peut pas être connectée parce qu'on a bouffé toute sa soirée. On est parti de là-bas à déjà 21h. Il fallait qu'elle s'occupe de son mari qui est arrivé, nous a trouvés et tout. Et j'ai vu un bel homme, j'ai vu un homme distingué, voilà. Un homme chic, un homme distingué. Et qui est rentré chez lui, qui a balancé les clés sur la commode de l'entrée, qui nous a dit bonsoir, qui était surpris. Donc, sa femme ne lui a même pas dit qu'elle allait faire la réception. Voilà alors les choses de nos filles. Donc, directement, elle lui a dit, voilà, c'est elle. On était ensemble parce que grâce à
à l'appel de cœur de Marlies Akamba, il fallait remettre l'enveloppe à la famille de Lambert. Et normalement, on devait se retrouver quelque part pour le faire. Et tout de suite, quand on a appelé Carole, elle a dit non, 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 non. Elle a improvisé quelque chose. Elle a demandé à son cuisinier, tu te démerdes, dans 2 heures de temps, tu me fais une table, tu me dresses une table avec un repas pour 6-7 personnes. J'étais très, très étonnée. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, non, 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 non. Moi, je voulais qu'on se retrouve au Mont Phoebe parce que déjà, à cette heure-là, ma femme de ménage n'était plus ici. Je disais qu'on se retrouve au Mont Phoebe, comme ça, ça sera vite fait. Hein. On mange quelque chose, on commande et puis on n'a pas besoin de... Voilà. Mais Carole a dit non, c'est mieux dans un domicile. Je vous invite chez moi. Et c'était aussi... moi, j'ai beaucoup apprécié la spontanéité qu'elle a eu à le faire parce qu'elle savait même pas qui elle est. Elle recevait chez elle, elle ne les a jamais vus. C'est pas ses amis, c'est pas sa famille et tout. Mais c'est le même élan de cœur qui continue. Et comme c'est moi qui détenais la caisse et tout, je suis arrivée, j'ai attendu, merci pour les cœurs. J'ai attendu, on a attendu une trentaine de minutes pour recevoir la famille de Lambert. C'était dès qu'ils sont entrés, parce que j'étais au salon d'en bas, il y a déjà un salon en bas, salon, voilà. Après, quand ils sont arrivés, on est monté. Elle nous a fait monter dans son salon privé, le salon de monsieur et madame Oyono. Elle nous a fait asseoir dans son salon privé, donc au premier étage, c'est le salon privé. On s'est assis, c'est là où on a pris l'apéritif, elle nous a offert à boire. Il y avait de la bière, des jus, du whisky, elle a proposé du champagne. Mais ça faisait beaucoup. On a pris l'apéritif. Et maman Marlies, on a pris l'apéritif, on a fini de prendre, on a échangé avec la famille et tout. La famille est très, très meurtrie. La famille est dévastée, la famille est mal. J'ai vu les frères et sœurs de, tous les frères et sœurs de, nous avons vu tous les frères et sœurs de Lambert. Les vidéos restent privées parce que je les ai transmises à la grande sœur à Marlies. C'est elle qui va décider quand est-ce que elle pourra faire un live avec ses vidéos ou alors on va garder en privé. Je ne sais pas, c'est elle qui décidera. Mais comme j'ai fait un live et que j'ai été quelque part, il faut que je confirme, je fasse un live en tant que une influenceuse pour vous dire, les gens, personnes que vous avez vues, là-dedans, il y a le grand frère de Lambert qui est son chef de famille, il y avait sa grande sœur, il y avait ses petites sœurs, toutes ses petites sœurs, et il y avait le fiancé à sa sœur. Et donc c'était la famille et le grand frère de Lambert qui est le chef de famille. Donc on les a tous reçus et j'ai pris la parole. Non, c'est d'abord son grand frère qui a pris la parole. Il a dit, il a parlé, c'était beaucoup d'émotions, mais c'est des personnes très fortes qui ont décidé d'enterrer leur frère dans la paix, dans la douleur, mais la sérénité. Paix, douleur, sérénité. Ça veut dire sans bruit, sans réaction, sans revanche. Lambert doit partir en paix. Le reste, on gère après. Ça, en deux mots, c'est le message qu'il nous a donné. Et moi... on a essayé de partager. Carole a parlé. Carole elle n'a pas beaucoup parlé parce qu'elle était... elle ne croyait même pas parce que c'est aujourd'hui qu'elle a informé son mari de la mort de Lambert. Et on dirait qu'elle repoussait. Elle n'acceptait pas. Donc c'était déjà très difficile pour elle d'en parler.
Donc, nous avons fait une trentaine de minutes au salon privé de Madame Oyono. Et après, nous sommes descendus. Le cuisinier s'était déjà démerdé en 2 heures de temps. La table était faite. Il y avait deux menus. Il y avait du poisson fait au four. Il y avait des fruits, des bons fruits. Il y avait un deuxième plat. Il y avait vraiment, il y avait beaucoup de nourriture pour 6 personnes. Alors on a rempli sa salle à manger. C'est là où j'ai lancé le live. On a bien mangé. Et puis bon, en haut, à la fin, j'ai donné l'enveloppe au chef de famille, une enveloppe très consistante au chef de famille. Et on leur a donné notre désir, comment on aimerait que ce soit fait. Mais nous, on ne peut pas aimer la famille de Lambert plus que Lambert. Après, on leur a laissé le choix de faire le reste. Et ils étaient très émus, ils étaient très surpris. Ils ont compris que leur frère, non seulement avait une grande étoile, mais il était très aimé. Et tout ceci, c'est grâce à Marie-Malise, qui n'a pas fait, on n'a pas mendié, hein. On a juste lancé quelque chose comme ça, et puis c'est le cœur qui parlait, c'est le cœur qui parlait. Il y a eu vraiment une très grande surprise au niveau de ce qui est entré dans la caisse. Et puis voilà, on a remis l'enveloppe, c'était très très émouvant. Moi j'ai fait, nous avons fait la vidéo. Et maintenant, on est descendu, on a mangé, et puis on a échangé. Carole nous a raconté une histoire qui la tient énormément dans sa vie, et c'est qui fait partie l'une des plus grandes émotions de sa vie. Elle nous a fait vivre ça, et j'ai vu une boule de femme qui n'a rien à voir avec Facebook, qui n'a rien à voir du tout. Et nous avons aussi échangé, même avant que la famille de Lambert n'arrive. On a parlé des enfants, on a parlé de l'éducation des enfants, de l'importance des enfants, de l'importance de leur éducation, de leurs études et tout. C'était l'échange entre deux femmes civilisées, quoi. C'est deux femmes qui savent où ce qu'elles veulent, qui ont compris la vie. Et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit, avec les caricatures qu'on nous donne sur Facebook, bien sûr. Parce que quand vous voyez comment est-ce que la saleté, la salotologue, la sale chose, la baveuse, la truie, la femme aux odeurs nauséabondes, quand vous voyez comment elle parle de Carole, et que vous arrivez chez Carole comme je suis arrivée, vous comprenez que cette femme est psychopathe. Je parle de facochère, zoie, cochère. C'est une psychopathe. Mes gens, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas, une femme comme zoie ne peut pas insulter Carole. Une femme comme Pacochère ne peut pas insulter Carole du cheveu jusqu'à l'orteil, jusqu'à la peau, jusqu'à tout, 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 tout. C'est osé. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est la grande gueule qui arrive ici, les mandibules, la saleté. Qui confond, qui ne connaît même pas la différence entre la saleté et la propreté. Parce que moi, tu as trop insulté Carole. Je suis arrivé chez Carole. Je suis arrivé chez Carole. Ma, à l'heure où je suis arrivé, il y avait encore il y avait 3 employés. De maison, je ne dis pas dehors, ni à la. Il y avait 3 employés. Vous savez pourquoi j'ai cette fierté? Moi, j'adore valoriser ce qui est bien. J'adore valoriser ce que j'adore les belles choses. Et je vous dis, chez Carole, par rapport
à Zoua Fakoucher qui insulte les gens, qui insulte cette femme, s'il faut partir de l'eau, Carole est bien placée pour dire que venez vivre au Cameroun. Mm-hmm. Carole doit dire aux gens venez vivre au Cameroun. Mais elle ne peut même pas le dire. Parce que vous savez, chacun a son étoile, chacun a sa chance. Chacun a son étoile et sa chance. Sa petite fille est venue là, elle a couru, tac, 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 tac. Son mari est rentré. Fakoucher, tu vas encore. Voilà la deuxième personne. Le jour que tu ouvres encore ta gueule sur Carole, je monte sur toi. Tu ouvres ta gueule sur Lambert, je monte sur toi. Parce que Carole, elle ne peut même pas te prendre comme femme de ménage. Fakoucher, Carole ne peut pas t'employer comme femme de ménage. C'est ce que j'ai vu là. Merde. Dieu sait ce que j'entre chez les ministres, j'entre chez les personnes. Hein. Mm-hmm. Ce que j'ai vu chez Carole, tu n'as pas le niveau. Tu ne peux pas nettoyer la chaussure de Carole. Tu ne peux pas. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait le live, mais je n'ai pas fait au deuxième et au troisième étage. J'ai seulement fait au rez-de-chaussée et jusqu'aux escaliers. Oui. Je n'ai pas fait derrière là-bas, là où il y a la piscine. Je n'ai pas fait à l'extérieur. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'ouvre plus jamais ta bouche sur Carole Abel. Oui. Parce que si on décolle le marbre de chez elle, ça te construit ton machin jaune là 12 fois. J'ai dit le marbre qui a sur son sol. 12 fois. Le machin que tu as mis ton nom en haut là. Moi, je n'ai pas vu chez Carole Abenako, on a mis le nom sur la maison. Le machin que tu as jaune, que tu as mis ton nom là. 12 maisons, rien que le marbre décollé sur, chez Carole, c'est 12 maisons chez toi. Mais Jean, tu as entré chez Carole. La lumière, donc, la lumière, les lumières d'abord, parce que là, c'est vraiment comme en Europe. Les lumières de chez elle, tu entres, ta peau est comme la peau de zoie. Tu sors, tu deviens belle. Tu lances le live, tu deviens belle. Oui, parce que moi, j'ai adoré les lumières de chez elle. J'ai adoré le staff partout, le style de staff et tout et tout. Zoua, quand tu parles même, il fallait dire à Carole de te filmer sa maison. Parce que les gens comme les Carole là peuvent parler de maison. Toi, tu peux parler de tes quatre murs jaunes. Pauvre femme. Sache donc qu'à partir d'aujourd'hui, on va atterrir Lambert en paix. Mais tout ce que tu sais là, c'est dans mon ventre ici. Tout ce que tu sais que tu as vécu avec Lambert, le harcèlement, tout, je ne sors rien. Inébia Bumba, on va enterrer Lambert. Et on va revenir sur toi. Mm-hmm. Je vais revenir sur toi. Parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui, pauvre femme, mal baisée, mal aimée, poisseuse, aura, saleté, odeur. On va se concentrer sur l'enterrement de Lambert. Mes gens, je vais vous remercier. Je vais vous remercier de près ou de loin pour les gestes que vous avez eu à faire. J'ai remarqué que sur Facebook, Ndolo Moulema ne rit pas. Partagez. On va voir que vous n'êtes que 90. Pourquoi vous êtes seulement 90? Pourquoi vous êtes seulement 90? Mes gens, ce que vous avez cotisé, il y a les femmes valables sur la toile. Les grandes dames valables sur la toile. De le Moulima. Hein? Fakoucher, je peux comprendre ton aigreur. Et toi et les Coco Lago, c'est ton groupe là-bas. C'est ton groupe là-bas. Carole Abena vous a écrasé. J'ai vu la petite boule de femme. Ma, la petite boule de femme, quand je suis arrivée, elle avait trois femmes DG de société que j'ai reconnues chez elle.
en train de prendre les perruques, les cheveux de ça. Des cheveux, maman, les per... maman a perdu de 600 000. Tu touches comme ça la 600 000. Tu touches comme ça. Elle te donne les prix de ses perruques en France. Les cheveux. C'est même pas les mèches. Je dis bien les cheveux. Fakoshe, que le nom bisilabe. Va acheter la perruque. Ce que j'ai vu comme cheveux chez Carole, ma personne. Oui, j'ai reçu. J'ai reçu les 5 000. Oui, j'ai reçu. J'ai reçu une cotisation de 5 000. Et Malise Akamba, tu te rappelles, non, nous avons reçu 5 000. Et nous avons aussi reçu, bon, je ne vais pas dire que c'était la plus petite somme, mais oui, les 5 000 francs, nous l'avons reçu. Et puis nous avons aussi reçu une autre somme de 10 000 francs. Et on a eu une seule personne qui a cotisé 5 000 et une autre personne qui a cotisé 10 000. Le reste là, c'était 50 cents. Voilà. Donc, mes gens, quand je vous dis, quand je vous dis ici, dis-moi quelle profession tu fais, je te dirai qui tu es. Ma, les femmes qui entrent chez Carole, c'est pour acheter les perruques à 400, 600 000. Maman, toi-même, tu touches les cheveux comme ça, là, où les cheveux. C'est pas les conneries qu'on balance partout ici dehors. Les cheveux, moi-même, j'ai pris deux perruques là-bas. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Les cheveux. Ce n'est pas le bébé. Dès que tu entres que c'est pour les mettre, tu sors, elle a déjà 500 000. Elle a déjà 400 000. Pendant que toi, Zoa, qui vient citer Caro, tu te lèves à 4 heures du matin pour aller acheter les porcs épiques que tu vas vendre dans ton tourne d'eau à Kribi là-bas. Dans le tourne d'eau à Kribi. Un porc épic 6 000, tu le vends à 13 000. Bénéfice. Bénéfice 7 000. On enlève 1200 pour le mayo, l'huile mayo. On enlève 500 pour la tomate. On enlève le mesovodium 200, cube magie 25. Et le charbon, parce qu'on prépare chez toi là-bas à Kribi sur le charbon. Il te reste quoi? 3200, tu viens parler à Carole Abbé. Madame Oyono, l'enfant qui a un nom à la République, quand j'allais chez elle, arrivé là-bas au carrefour, dès que j'ai dit que amenez-moi à tel endroit, on me dit, ah, chez le fils de... Je ne prononce pas le nom. Je sais, m'a dit, ah, ça, bon, je dis, non, je ne pars pas là. Je pars, on dit que non, on sait où vous partez, maman. Je suis arrivé, maman, les trois week-end notes sur le portail. Et un qui faisait, qui refaisait, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Je suis entré, j'ai eu l'impression d'être en Suisse. Pas en France, mais en Suisse. Parce que le plan de la maison d'Abena, de Carole, Madame Oyono, c'est un plan suisse. C'est les maisons de la Suisse que j'ai vues là-bas. Les duplex de la Suisse, c'est le même plan. Et la même façon de... Ma, j'ai bu un vin là-bas. J'ai reconnu ça. Bonsoir Nelly. J'ai bien un vin là-bas que j'ai reconnu. C'est pour ça que je vous ai braqué la marque du vin. C'est un vin suisse, on boit un vin suisse là-bas. Parce que c'est ce vin-là. Zoa! J'ai reconnu ce vin-là. C'est ce vin qu'on va boire chez le... Hé! Amé Kamé. Le beau-frère de Zoa. Amé Kamé, le beau-frère de Zoa. Heureusement que tu es quitté sur ça. Tu es quitté. Ah, partagez-moi le direct. Ah, Amé Kamé, lance-moi le direct dans ton truc. Toi-même, là où tu es là, je vais t'appeler. Tu n'as pas cotisé pour le deuil de Lambert. Hein? Oui, j'ai vu que tu surveilles le roi. C'est bien. C'est super bien. Surveille mon roi, mon frère. Oui. Tu surveilles très bien. Moi-même, je vois. Oh là là. Bonsoir, Brival. Bonsoir à tout le monde. Maman, j'étais à quel niveau? Amère, on attend ta participation. On attend ta participation. Et dis à ton frère qui niaçait avec Zoa, qu'elle a amené qu'elle a payé le voyage pour amener à Dubaï. Il est arrivé, il a dit qu'il ne niaçait pas, qu'il croyait que Zoa a payé une job. Dis-lui que l'ex de son ex est décédé et que nous on attend la contribution.
L'ex de son ex est décédé. Nous, on attend sa contribution. Maman, je vous dis. Il a fui l'hôtel. L'ex de Zoé a fui l'hôtel. Amen a dit, ferme les yeux, non? Ferme les yeux, tu fais. Il dit, non, mon frère, je ne peux pas. Et vous savez que le frère d'Amer, là, il est brun, il est comme un blanc. Hein? d'en face, informez-moi. Non, Donna. C'est la politique, tu ne comprends pas. Parfois, c'est l'étranger qui vient faire mettre la paix dans la famille. Tu ne comprends pas. Ça va aller. Aline, salut princesse. Bonjour, bonsoir à toi. Mes gens. Zoa, quand je vois que toi, tu peux ouvrir la bouche, tu parles de Carole Abena. Tu es très courageuse. Merci pour les cœurs, Donna. Facochet, tu ouvres ta bouche pour parler à une femme qui a un duplex sur 3 niveaux. Son mari part le matin. Il travaille le salaire. Il rentre le soir. Il dépose la clé sur la commode. Il dit bonsoir. Il embrasse sa femme. Il monte trouver sa petite fille. Le cuisinier est déjà en train de faire tout là pour faire la table seulement en haut. Parce que nous, on a occupé la salle à manger en bas. Hey! Maman. Zoa, toi, tu peux insulter Carole. Ce n'est pas le bébé de Facebook. Tu peux insulter. Moi, je suis arrivé à domicile. Le staff qui a chez Carole, tu n'auras jamais ça jusqu'à ce que la terre finisse, jusqu'à ce que tu meurs. Tu n'auras jamais le staff qui a chez Carole. Le staff. Les lustres qui a chez Carole, tu n'auras jamais ça. Dans ta vie, tu n'auras jamais ça. Maman, les murs, du bas en haut, chaque pièce, le papier peint, Marie avait les meubles. Le papier peint, Marie avait les décos des meubles de coin et tout et tout. Tu montes au deuxième étage, la couleur du papier peint. Maman, le salon. Merci beaucoup, Ndolo Moulema, merci. En haut, le salon c'est rouge sang. Rouge sang. Elle nous a dit que c'est quand les deux rentrent le soir, c'est là où ils se tapent leur. Comme elle ne boit pas, ils se tapent leur petit verre et ils font le commentaire de la journée. Hein? Tout est comme ça. Et je partout, les cadres de photos de la fille. Les cadres photos, les photos. Toi, tu vas venir insulter Madame Chapuis. Tu dis que, Madame Chapuis, je te donne les mains. Mais. N'ouvre plus jamais ta bouche sur Carole Abena. Parce que chez elle, où je suis arrivé là, c'est le luxe. L-U-X. Je n'ai pas dit L-U-X-E. J'ai dit L-U-X. On ne puise pas l'eau derrière pour verser dans la baignoire, comme chez toi, Fracochère. Dans tous les coins, il y a les coins pour laver les mains. Maman, la cuisine de ça. Fracochère. Si on te donne la cuisine de Carole, tu vas aller habiter là-dedans. Tu vas mettre le lit. Mais Jean, je fais ce décryptage pour que vous puissiez comprendre que Facebook crée. Que quelqu'un comme, quelqu'un, une sorcière comme celle-là, elle peut te, quelqu'un peut vous descendre à Facebook. Luxe insolent, quelqu'un peut vous descendre à Facebook. Et tu doutes de toi, en fait. Tu doutes de toi. Quelqu'un peut t'amener à douter de toi. J'ai vu Carole Abena en face. Elle est même de toute façon plus belle en face que sur la toile. Hein. Mais l'enfant, elle est comme si elle n'a jamais accouché. Oui, elle avait sa petite robe. Elle avait ses nattes. Les nattes derrière. Mais tu sens qu'elle...
l'enfant est arrivé. Et tu sens que l'enfant est arrivé. Et l'enfant ne discute plus rien avec personne. L'enfant est assise. Ma, rien que le commerce. Te voir, ma grande. Donna, j'attends que tu descendes. D'accord? J'attends que tu descendes. Il n'y a pas de... On va boire le champagne. Pour ça, c'est vrai. Pour ça, c'est vrai. Je te jure. Et là où c'est là, mes gens, j'ai rencontré une belle petite sœur. Et je lui ai dit en partant, je suis fière de toi. Parce que vous savez, nous qui sommes au Cameroun là, ça fait plaisir de voir, d'arriver chez des personnes qui ont ramené ce qu'ils ont eu en Europe. Que tu arrives chez elles, tu confirmes que celle-ci connaît bien. Celle-ci a vécu le vrai bien. Ce n'est pas cochère. Ce n'est pas facochère. Facochère, tu te rends compte que celle-ci connaît bien. Le bien que Madame Chapuis adore. Maman, elle m'a sorti une bouteille. Elle a sorti une bouteille de vin. Et cette bouteille de vin, je l'ai reconnue. Parce que j'ai eu la chance d'avoir 200 cartons. Je lui ai dit ça. Facochère, tu as dit à ta nièce, tu as dit que monsieur Etemé était le mari de ta nièce, non, Facochère. Elle est au courant que son beau-père est mort. Elle est au courant qu'il est mort. Elle est au courant que la première prière était là-bas hier. Je ne l'ai pas vue, hein. Je vous ai dit que c'était une vieille bordel qu'on ramasse souvent le soir et on jette le matin. Une ancienne bordel qu'on avait ramassé un soir. Hmm? Toi-même, tu ressembles à ta nièce, là. Tu ressembles à ta nièce. Hein? On est en train de... Dans le Moulema, on rédige les statuts. On est en train de rédiger le statut. D'ici la fin du mois, ça sera opérationnel. Hein? C'est un peu une petite affaire. On est à la fin des statuts. Après, on doit légaliser chez le préfet. Hmm? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Carole Abena, c'est une boule de femme. Non. J'étais chez elle et j'ai vu la cuisine. C'est la cuisine suisse. C'est comme si c'est les Suisses qui ont construit ça. C'est la cuisine suisse. Je me suis sentie en Suisse chez elle. Hmm? Je me suis sentie en Suisse chez elle. Et en partant, je lui ai dit que j'étais fière d'elle. Oui. Parce que j'ai vu ma petite soeur. Ce n'est pas la Carole que Zoua a caricaturé. Même la famille de Robert, de Lambert, a regardé comme ça. Ils ont dit, c'est toi Carole Abena. Elle dit, oui, c'est moi, c'est moi. Parce que la simplicité, l'humilité et tout, moi j'étais même plus agitée chez elle qu'elle-même. Parce que je me sentais chez ma petite soeur. Et oui, elle m'a donné la parole, elle était là et tout, non, non, Zoua ne prononce plus le nom de l'enfant là, non, ne prononce plus le nom de l'enfant là, tu es une poubelle, la poubelle ne prononce pas le nom de la propriété, ne prononce plus ce nom, hein, et je veux aussi dire, vraiment merci beaucoup, je vais donner, bon là c'est ma Alice qui va faire un live pour ça. Il fallait juste que je fasse du global et que vous sachiez que nous étions avec la famille de Lambert. Et tout ça organisé par Marlise Akamba. Et je vous dis, ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est une famille qui est atteinte. C'est une famille qui est meurtrie. Mais... Aline Vondo, wet ansi. Donc, je faisais ce live pour te dire que Zoua, comme dans la vie, tu crois que tu peux tout avoir, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Mm-hmm. Parce que désormais,
tout ce que tu as fait vivre l'Ambège, nous sommes au courant. Je ne parle pas de ça parce que je dois faire le compte rendu à ma liste. Tout ce que tu as fait vivre à l'Ambège, nous sommes au courant. Tout ce que tu as fait vivre à ce garçon, nous sommes au courant. Et quand je disais ici, que tout ce que tu fais là, c'est les pleurs. Tu pleures, Lambert. Tu l'as pleuré. Et dans ta tête, tu t'es dit, ou il est à moi, ou on perd tous. Tout ce que tu faisais là, c'était les pleurs. On enterre Lambert et après, on en parlera. En attendant, va dire à ta nièce que son beau-père est mort et qui a prié là-bas tous les soirs. On n'a pas encore reçu une petite assiette de pum. C'est le moment du maïs, le moment des légumes. Ça veut dire qu'avec deux, tu fais une bonne marmite de sangha. On n'a pas encore reçu ça là-bas. Ce qui est une preuve que vous n'êtes qu'une famille de prostituées sans valeur. Une famille de prostitutes sans valeur. Vous finissez sans mari. Votre travail, c'est le sexe sale sans valeur. Et voilà pourquoi un comme Lambert a préféré partir. Et tu sais tout ce que tu as fait pour qu'il rentre. Il n'a jamais voulu rentrer. Les pleurs de ça. Moi, je t'ai dit à chaque fois que ça va faire un genre, je m'assois sur toi. Facochère, vraiment, chimpanzé, sale femme, poubelle, laide femme. J'étais chez Carole et c'était la classe, de la clôture jusqu'au salon privé. J'imagine leur chambre, ça doit être le palais. La qualité de chambre comme essaiement dans la maison. La qualité de chambre comme essaiement dans la maison qu'on a fini de construire. C'est pas le machin que tu es là dans les quatre machins jaunes avec les murs moisis. Carole Abina ne verra jamais la moisissure chez elle. D'abord que les murs sont d'abord construction normes européennes avec du papier peint suisse. Les papiers peints avec les grains de diamant sur ça au mur. Ça scintille. Ça veut dire que quand on enlève toutes les lumières, là, le papier peint scintille. Mais le papier peint scintille. Mais franchement, mes gens, oui, vous qui êtes en Europe, fréquentez les beaux milieux. Parce que l'enfant l'a montré qu'elle passait, que... Oui, elle est entrée à des endroits. Elle a pissé tout ça chez elle. Maman la cuisine. Maman l'évier. Quand je vois celle qui a mis le frigo au salon. Elle a mis le frigo au salon. Le frigo, dès qu'elle a acheté le faux frigo américain, elle a mis ça au salon. Elle vient parler à Bena Carole. Madame Oyono. Mariée, maman, les photos sont là. Là où l'homme met la bague. Chérie, veux-tu m'épouser? Est-ce que devant Dieu et devant les hommes, tu dis oui pour toute la vie, pour le meilleur et pour le pire? Soit qui te fera ça dans ta vie? Qui te fera ça dans ta vie? Oui pour toute la vie. Là où elle met la bague, là où elle ouvre la danse avec son mari. Maman, les photos sont seulement encadrées comme ça. La photo de son premier fils, ça remplit un mur comme ça. Leur premier fils, on va dire leur premier, ça remplit le mur. Toi qui dis que tu as accouché bébé Emma, j'ai vu une photo sur le mur. La photo de bébé Emma est où? La photo de bébé Emma. Que jusqu'à tu es monté sur la chaise roulante. Chaise roulante pour dire que tu accouches. On t'a même mis la blouse. On t'a même mis la blouse.
Mais Jean, bébé Emma a perdu son père. Bébé Emma est orphelin. Est-ce que parce que il y a la tenue, hein? Est-ce qu'on a pensé à lui coudre le sarawel? Parce qu'il faut coudre le sarawel à bébé Emma parce que son pater est mort, hein? La levée de son pater, c'est vendredi, hein? Mais Jean, le pater de bébé Emma est à la morgue à Balmayo, hein? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et là, on a les photos du Toqué Porte. Hein? Facochère, j'ai les photos de Toqué Porte. Parce que Lambert a toqué ta porte. Et on a la photocopie de la liste. Quatre ports. Dès que tu vas entendre quatre ports, tu sais que c'est la vérité. Donc, la liste, on a la photocopie de la liste. On a les photos de Toqué Porte. Donc, d'un coup, parce que pour le moment, c'est le seul homme qui a toqué à ta porte. Donc, tu es veuve. Tu es veuve. Onungus. Wawok. Onungus. Tu es veuve. Là où tu es là. Prépare-toi. Parce que c'est Carole qui va t'amener à la rivière. Carole va t'amener à la rivière. Carole est où que doit Mendim. Et moi, je vais embaumer ta tête avec la boue. Heureusement même que tu as un mon vieux qui ne dit pas son nom. Donc, quand on va embaumer la boue, tu n'auras pas trop de problèmes. Parce que ça va trouver la boule zéro. Parce que tes cheveux commencent ici. Donc, tu n'auras pas de problème. Parce qu'on va te faire la couche. La couche, on va te mettre la boue. Parce que... Toqué Porte égale d'autres, hein. Jusqu'à... On a même des parents demandé quatre ports. Les ports même étaient étonnés. Quatre ports. Mais on te donne quoi, quatre ports? On te donne quoi avec quatre ports? On te donne qui avec quatre ports, soit. Même la graisse du port est étonnée. Anawama, même la graisse du porc, même le porc, ma honne, le porc, quatre porcs l'ont châssis. Et le Toqué Porte, c'était deux cartons de Bakero. Maman, laisse qu'on enterre l'enfant là. C'est que tu prévoyais que ça va arriver, que le Lambert aura honte, tout ça, tout ça. Il sera enterré dignement. Dignement. Et je vous dis que le grand frère de Lambert, c'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, mes gens. Vous avez compris. Voilà. Donc, là où c'est là. Bébé Emma doit être à la levée. Son pater est mort. On a les photos. On l'a accueilli à l'hôpital. Son père est mort selon tous ses conseils. Son pater est mort. Une psychopathe comme toi. Une vieille psychopathe. Une psychopathe. Tu es une psychopathe. Tu n'es qu'une psychopathe. Bref. Ça fait combien de temps que je suis là? Je vais remercier tous ceux qui ont contribué. Toutes celles qui ont contribué. Demander au Seigneur de remplacer et de leur faire gagner au centuple. Nous donner la force d'affronter cette douloureuse, ce douloureux événement, cette douleur. Donner la force à la famille de surmonter, à toutes ces personnes que nous avons rencontrées aujourd'hui. Ils ont la même tête que Lambert. Tous se ressemblent. Que le Seigneur leur donne la force de surmonter cela. La peine sera partagée et que si la sale chienne, la garce, le chimpanzé, la facochère essaye de sortir pour parler encore de ce garçon qu'on a décrit aujourd'hui, nous tous sur la toile,
on doit faire un travail unanime. Réagir. Réagir et réagir. Vous avez compris, mes gens? Vous avez compris. Après ça, elle va aller lancer le direct dans son cimetière. Parce que son machin jaune, là, c'est un cimetière. Une maison sans un homme qui pisse debout comme ça. Il rentre, il fait des choses comme ça. Il porte les babouches. Il prend la télécommande, il descend au salon, il zappe. Il regarde le journal. Pendant que la table est faite. Une maison qui n'a pas ça. C'est un cimetière. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un cimetière. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas dans sa situation deviennent, toutes celles qui ne sont pas dans sa situation deviennent ses cibles. C'est pour ça qu'elle déteste Malisa Kamba. Quand Malisa Kamba rentre vite, fait vite, fait vite, fait. Elle met le poisson au four à son mari. Hein. Tout à l'heure, là, quand elle est rentrée, là, on a parlé au téléphone. Elle partait faire les échines de porc. Elle a dit soit côtelette, soit échines de porc. Elle dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire vite faire quelque chose à votre père. C'est comme ça. Et Carole, tout à l'heure, bon, c'est comme ça, là. Ma, vous avez vu comment le cuisinier nous sert. Maman avait le camp. Moi, on me sert ici. Je fais comme ça. Je dis, je veux manger ceci, ceci, ceci. On me sert. Chez Carole Abénache, c'est la même chose. Chez toi, tu auras ça quand? Tu auras ça quand? Hein? Oh là là. Mes gens, il se fait tard. Vous êtes plus de 100. Paix une fois de plus à l'âme de Lambert. Nous, on ne gueule pas pour rien. Sachez que vous avez des personnes valables sur la toile. Des personnes sur qui vous pouvez compter sur la toile. Et sachez choisir votre camp. Sachez choisir votre team. Déconnectez-vous tous chez cette femme qui a déclaré que l'âme de Lambert pourrisse en enfer. Donc, le mariage n'est pas forcé. Un homme qui te dit non, ce n'est pas forcé. Ça ne devient pas la haine. Cette femme a fait tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. C'est tout simplement une psychopathe. Nous avons tous les détails. Mais ne vous inquiétez pas. La mère sera enterrée comme un bébé. Sa famille est déterminée à ce que tout se passe dans le calme, dans la sérénité et la dignité. Calme, sérénité, dignité. La paix aussi. Et après, les choses sont entre l'homme. Nous, on ne sait, nous, on ne gère plus le après-deuil. Mais ça sera pour nous, ça sera sur Facebook. Comme la chienne là a dit que il faut avoir peur d'elle quand on fait ceci. Elle n'est rien. La sale chienne là n'est rien. Une sale femme. Moi, j'ai pris deux perruques. Ça m'a fait 468 000. Elle est courte, hein? Deux courtes perruques. 468 000. Toi, pendant que toi, tu vends les faux sacs, tu dis 100 euros. Les choses que tu achètes à 15 000 au marché, mon colo. Le porc épique, tu achètes à 7 000 pour revendre. Tu veux parler à Carole Abénache. Je vous ai dit, à travers le métier que tu fais, ça détermine ta misère. Ça détermine que tu n'as rien et tu ne seras jamais rien. Et tu n'as rien et que tu es vieille, tu es en retraite sans rien. Et tu te rends compte que l'argent même du blanc que tu manges, c'est un argent qui n'est pas béni. Parce que même une messe d'action de grâce, tu n'as pas fait à ce monsieur. Donc c'est un argent que quand ça entre dans ta main, ça finit. Tu ne vas rien faire de cet argent-là jusqu'à la fin. Ta punition, c'est que tu ne peux même pas faire un acte de mariage avec un autre homme. Parce que tu es condamné par 1200 ou 1000 combien. Tu as hypothéqué ta vie pour ce petit montant. Donc tu dois être avec un homme. Il te dote seulement. Tu ne peux pas faire l'acte parce que si tu fais l'acte, tu perds
cet avantage. Hein? Hmm? Elle peut aller faire les ongles chez Spectra. Que ça a commencé comment? Elle peut aller faire les ongles chez Spectra. Que, il fallait voir les doigts de Carole. Maman. Ouais, mes gens, je m'en vais dormir. Je m'en vais dormir, je m'en vais prendre ma douche du soir. Parce que, pas coucher, on prend la douche le soir. Hein, on prend la douche deux fois. Et voilà. Une sale femme qui insulte Carole. Carole est propre jusqu'aux ongles. Maman, l'enfant, elle a le téléphone. Elle fait le téléphone comme ça. Bac, 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 bac. Maman, tu vois les mèches que l'enfant vend. Tu vois d'abord la valise où il y a la marchandise. Tu vois même d'abord où tu es assise. Hé, auntie, tu vois d'abord où tu es assise. Maman, tu es chez le grand. Chez le boss. Oui, tu es chez le boss qui est boss et qui est le fils du boss. Tu es chez l'argent de l'enfant de l'argent. Oui, j'étais bien là où j'étais. J'ai mangé dans une belle vaisselle avec un beau couvert, assis confortablement sur une belle chaise. C'est ça qui est ça. C'est ça qu'on appelle Kembe. Ce n'est pas les conneries de soi qui insultent les gens. Parle encore de ton 4 murs jaunes là, de ton machin, de ton poids ras là-bas. Parle encore de ça ici. Avant de parler de ça, fais d'abord la propriété et tu me sous-traites tous tes murs. Parce que là où j'étais, chez Carole, moi encore je suis à location, mais là où j'étais chez une propriétaire. Maman, j'ai vu que tu es zéro. Si tu ouvres ta gueule pour parler de Carole Abena, ça veut dire que tu es une psychopathe. Parce que si tu ne peux même pas t'asseoir chez Carole. Non, ce n'est pas ton niveau. Carole ne peut même pas te recevoir chez elle. Ce n'est pas ton niveau. Mm-hmm. Ce n'est pas ton niveau, Pacochet. Ne prononce plus le nom de Carole. Ne prononce plus jamais son nom. J'étais chez elle. Même les fleurs du jardin de Carole, ce n'est pas les fleurs du Cameroun. Tu sens que elle a acheté les semences en Suisse. Ça, c'est la vérité. Parce que les plantes que j'ai vues chez elle, ce n'est pas les plantes du Cameroun. Oui, ça, c'est par contre la maison d'une voyageuse. C'est ça. Bonsoir, Valoche. C'est la maison d'une voyageuse. Toi, tu es là entre deux avions, tu montes, tu descends. Si ton cerveau pète en l'air, là, qu'on te ramasse par terre, tu vas dire que tu pars chercher quoi en Europe quand on voit là où tu dors. C'est seulement pour montrer que tu prends l'avion. Non, c'est à domicile qu'on montre. Surtout toi qui as déjà ton... Qui dit que tu as déjà construit. Meng ne sent pas chez toi. Il n'y a même pas l'odeur de Meng là où tu vis. Fais un tour chez Carole Abena. Essaie de tricher un peu comme j'ai fait la vidéo. Là. Essaie de tricher. Il n'y a pas de honte à ça. Même comme je n'ai pas trop montré, maman, les portes de la fille là. Les portes. Mof. Ok, je vous laisse. Je vous aime très très fort. Ni faïence, ni évier, ni robinet. Les bouteilles d'eau sont posées au sol. Avec les murs de... Ah, ça, maman. Donc les bouteilles d'eau sont posées partout, partout, partout. Donc les bouteilles sont posées partout, partout. Vous savez qu'il n'y a pas l'eau là-bas. On puise l'eau derrière. On monte verser dans la baignoire. Bon, en attendant, dites à la prostituée de Facochère que sa nièce a perdu son beau-père. C'est là-bas qu'on montre si, quand je vous dis que c'est une prostituée avec sa nièce et tout ça mélangé. Allez, gros bisous à vous. Dorine, salut à toi. Le choco de Facochère. Allez, bisous à vous. Bisous, je vous aime très très fort. Et voilà, je ne vais pas dire, c'est pas le direct de la République aujourd'hui. Et puis, ce direct, c'était pour Lambert.
et vous dire que nous étions avec sa famille. Et puis je remercie encore une fois de plus Marlise Akamba et je remercie Carole Abena qui nous a offert une soirée très conviviale, agréable, avec un bon repas et puis un bon serveur, un beau cuisinier et tout ça. Donc je leur rends un grand hommage et puis je leur dis merci. Et j'ai compris que voilà, c'est de très 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 belles personnes, surtout assises. C'est ça qui est ça. Allez, bonne nuit à vous et puis que le Seigneur nous protège et puis à demain. Bisous. Bye bye.